aujourd'hui pour faire une ouverture de colis. Voilà, un bon gros colis comme on les aime. C'est Shein. Voilà, c'est un partenariat. Voilà. Et on va ouvrir tout ça. Vous ne voyez rien. Et ben, on va se baisser. Voilà. Je vais t'arriver. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est vraiment mon jour 1 des vacances. Oui, oui, je remonte mon caleçon. Enfin, c'est un... Je vous l'avais montré l'année dernière. Là, j'ai mis une grande robe. Mais je mets un truc comme ça, là. Pour que le frottement des cuisses. Voilà, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Je vais chercher des ciseaux. Il n'y en a pas par ici. Je vais aller dans ma pièce. Je ne vais pas sûrement y en avoir. Mais j'ai un cutter. On va faire, ça va faire l'affaire. Alors, vraiment, là, aujourd'hui, c'est le jour 1 de mes vacances, puisqu'on est lundi. Oh, des lalas. Donc, j'ai fait une petite sélection sur Shein. Il y a des liens. Il y a des liens à... On dirait que j'ai un gros bidon, mais bon, j'ai un bidon, mais pas si gros que ça, en fait. Vous voyez? Je vois pas. Il faudrait que j'ai des plus gros tétés. Comme ça, on verrait moins mon ventre. Voilà. Bref, j'ai fait ma sélection. Il me donne Shein quand je suis avec Shein. Quand il me propose un partenariat. Régulièrement, comme ça se passe en ce moment. J'ai un lien. Et sur le lien, je dois choisir des choses. Voilà. Je ne peux pas aller à droite, à gauche pour choisir. Il faut que je reste dans la sélection. Donc déjà là, voilà. Oh, ben, il y a plusieurs... Donc toujours les petites pochettes que je garde. Bon, ça m'est déjà arrivé, donc je sais, mais je garde. Donc là, nous avons une chemise de toute beauté. Chemise rose à petite rayure comme ça. J'adore. Je crois qu'elle existe en bleu clair, en bleu marine, en vert aussi. Je crois qu'elle existe en vert. J'aime vraiment beaucoup. Faudrait que je vous recule un petit peu plus. Allez, on recule un peu plus. Je vous mets là. Oh, ça bascule. Hop. Et est-ce qu'on verra mieux? Est-ce qu'on verra mieux? Est-ce qu'on verra mieux? Ouais, voilà, on aperçoit ces manches longues. Donc pour la rentrée, c'est parfait. Voilà. Elle est en matière, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Hop. Alors, Shein Curve 1XL. Comme ça, je suis bien à l'aise. Parce que des fois, il y a des vêtements qui ne vont que jusqu'à 40-42. Donc pour moi, c'est un peu petit, 40-42 des fois. Ça aurait été 42-44, ça aurait été, mais 40-42. Donc je vais dans le Curve. Je sais pas, composition polyester. Voilà. Polyester. Donc voilà, il y a deux petites poches devant. C'est cool. J'aime beaucoup. Hop. Validé. Après, il faut essayer. Hein. Ensuite, nous avons Niji. Patata et Niji. Nous avons ceci. Je crois que c'est un... Oh oui, c'est ça. Oh bah ça, j'adore. La matière, elle est hyper douce. Regardez. Alors ça, c'est le genre de truc que je suis à l'aise dedans pour aller travailler. Quoi que ce soit, c'est parfait. Je peux l'enfiler là. On va voir ce que ça donne. Mais ça, j'ai pas de doute. Enfin, on le sent, le truc. On sent que ça va aller. Quoi. Bon, par-dessus la robe, c'est pas top. Mais vous voyez, c'est le genre de truc que je mets large. Cool ma poule. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. De toute façon, en barre d'infos, allez voir en barre d'infos. Je vous mets tout. Les références, tous les liens, etc. Je vais essayer, je pense que je vais faire ça dans le train, vu que je vais partir tout à l'heure en vacances. Dans le train, je pense que je ferai ça. Je vous ferai les captures d'écran du site et puis je vous les mettrai comme d'habitude ici. Voilà, pour que vous vous rendiez compte sur des vrais mannequins ce que ça donne. Voilà, parce que moi, c'est pas vraiment un vrai mannequin, quoi. Enfin,
Voilà, après pour voir sur d'autres tailles, etc. Puis vous avez des liens et du coup ça vous donne les prix parce que les prix je les ai pas en tête, donc ça vous donnera les prix et il va y avoir un code promo bien évidemment. Tout sera en barre d'infos, peut-être ici, peut-être si j'y pense et un lien pour aller directement sur la sélection. Voilà, le lien vous tapez, je sais plus, mais je vous le mettrai aussi. Et vous êtes dirigé directement vers la sélection. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, ça, c'est une robe, il me semble. Ah ouais, moi, je suis très robe, ça sert pas à la taille, c'est bien. Je peux, on dirait presque que je suis enceinte. Non, 52 ans, ça peut arriver, hein. Mais non, là, si franchement, je me verrais pas avec. Repartir dans les couches et tout ça, je me vois pas. Alors ça, c'est assez, c'est pas trop mon style habituellement. Hop, vous voyez toujours pas, bah pourtant. Voilà, ça s'arrête là. Ça fait comme une petite salopette. Je pense que je vais l'emmener en vacances. Je crois que c'est ce qu'on appelle une petite robe chasuble. Et ben celle-ci, elle va partir dans mon sac de vacances. Voilà, regardez mes vlogs, vous verrez. Et c'est cool, il y a des petites poches. Alors les poches, hein, on aime tous avoir ça. J'ai dû prendre un XL encore, hein, ou 1XL ou 0XL. Je pense que c'est ce que j'ai dû prendre. Ah non, 44. XL, XL 44. Voilà. Moi, 44, c'est ma taille, hein, vraiment. Pendant longtemps, longtemps, j'ai fait du 42. Là, je bascule sur 44. Petit à petit, on monte d'échelon. Donc, celle-ci, je vais la mettre avec mon sac de voyage. Enfin, mon sac de voyage. J'emmène juste un sac à dos parce que j'ai pas besoin d'emmener grand-chose chez mamie. Et je pense que celle-ci aussi va venir en vacances avec moi. Le genre de robe que j'adore l'été, c'est les robes marinières comme ça. Ah ouais, ah ouais, la matière elle est trop bien, vous voyez, c'est comme ça là. Ah bah vous voyez très bien. Voilà. Ah oui, celle-ci. Oh bah oui, celle-ci. Limite, je me demande si je vais pas partir avec tout à l'heure. Je l'essaye. Voilà, hop. Je viens de la mettre déjà en haut, j'aime beaucoup. En bas, hop, Oh bah oui, je vais partir avec ça. Je me sens. Je pense qu'elle me va mieux celle-ci que. Ah bah oui, je vais partir avec ça. Ouais, je vais partir avec ça. Hop, je remonte mon petit caleçon. Ah oui, je pars avec celle-ci. Je me sens moins boulotte hein, avec ça. Là, il y a les rayures. Là, il y a la grande. Moi, je m'en fiche. J'ai mon legging en dessous. Enfin, c'est pas un legging, c'est un petit. Un petit caleçon corsaire cycliste, enfin, je sais pas trop. Hop, voilà, je remets mes cheveux. Ah bah non, mais celle-là, adoptée, hein. Celle-là, je la garde. Ouais, je vais partir avec. Je me sens mieux qu'avec l'autre. L'autre pour rester à la maison, elle est bien. Et puis là, vous avez. Là, il y a la grande fente là qui arrive jusqu'en haut. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai mon truc en dessous. Franchement, ça ne me dérange pas. Oui, c'est adopté. Je la garde. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hop. Alors. Ah oui, je me souviens avec les petites manches. Bon, ça, c'est pour mettre un petit peu tous les jours, vous voyez, pour. Moi, je pense au travail, hein, souvent. Alors, je l'ai pris en quelle taille? 0XL, ça paraît grand, non? Bon, non, ça va aller. Vous voyez, il y a ces bimatières. Vous avez la dentelle comme ça sur les manches. Ça, j'aime beaucoup. Et la matière, pareil, très souple, très élastique, ici. Et là, j'ai pris en 0XL. Voilà, chine curve. Curve, c'est spécial pour les formes un peu rondeurs, quoi. Ça, c'est cool. Vous voulez que je le passe par-dessus? Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Les manches, c'est pas très très. Voilà, c'est un petit tourlet tout bête. Tout bête, tout bête. On part de
ça fait pas trop, mais si, c'est le genre de truc, bon, pas avec un truc rayé en dessous, mais avec un petit débardeur blanc en dessous, parce que c'est un peu transparent, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ça, avec un pantalon noir, hein, ou un jean ou quoi que ce soit. En plus, j'aime bien les formes comme ça, là. Nickel. Nickel, nickel. Ah ben, finalement, j'ai bien fait d'avoir une infection urinaire aujourd'hui. Oui, j'ai retardé mon départ en vacances puisque j'ai passé une super nuit, on va dire. Donc là, je viens d'aller chercher mes médocs. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour Chine. Ah oui, ça. Alors, je pense que ça, on va me le piquer. Pas sûr, mais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ma Margot, bah, peut-être ça va l'intéresser. Je ne lui avais même pas demandé. Vous avez un scratch. Et en fait, il s'agit. Ah oui, c'est bien. La matière, elle est bien. Parce que des fois, quand on fait des pique-niques, on met un tissu, un petit plaid ou un petit morceau de tissu, mais ça reste humide. Et là, vous voyez, c'est imperméabilisé. Et vous voyez, c'est pour. Ah oui, c'est grand en plus. Et la couleur, bon bah, Vichy marron, évidemment, hein, on se refait pas. Je l'ai pris, mais vraiment. Oh, bon, ça va quand même. Je me suis pas trop mal débrouillée. C'est pas plié aussi bien que quand je l'ai reçu, mais c'est pas mal. Hop. Et là, en plus, comme je viens de vous parler, je viens de recevoir un message comme quoi elle est bien arrivée à destination. Alors, je vous épargne ma petite présentation de ça par rapport à mon mari, parce que lui, il passe sa vie en short. Short, oh, ils sont un peu plus souples que ils sont plus fins que la dernière fois, c'est bien aussi. Il passe sa vie en short à la maison. Donc je lui ai repris un lot de shorts. Eh ben, c'est pas les mêmes que la dernière fois. Donc j'ai bien fait de prendre ceux-là aussi. Ceux-là, ce sont des shorts beaucoup plus fins. La dernière fois, ils étaient plus molletonnés et là, ils sont un peu plus fins. Donc là, quand il va faire chaud, bon après, ça dépend de la matière aussi. Je lui ai pris du L. Lui, il peut être moins épais que moi. Voilà, c'est du polyester. Bon, voilà. Bref, il va transpirer un petit peu, mais ça va aller. De toute façon, été comme hiver, il est ça. J'ai pris un vert, un gris, la base, hein, les gris chinés. Voilà. Va falloir que je les lave, il y a une petite odeur quand même. Un tout noir, ça, il va aimer. Sauf que moi, je vais moins aimer parce que. Les poils de Snowy, on les voit bien là-dessus. Et un marron. Je me dis pour l'automne, le marron, c'est la vie. Voilà. Hop. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Ensuite, ici. Ah oui! Ah bah ça, oui, ça c'est très intéressant. Non, mais vraiment. Vous savez, mon calvaire des chaussettes. Je ne retrouve plus mes chaussettes. En plus, avec mon travail, j'ai tout le temps les chaussettes abîmées, trouées, etc. Moi, je change deux fois par jour de chaussettes. Enfin, bon, bref. Et là, j'avais pris un lot moitié blanc. Vous savez, ces petites chaussettes basses comme ça. Hein. C'est Camille, elle met souvent du blanc l'été et du noir l'hiver. Petite bouclette à l'intérieur. Voilà, donc ça, parfait. Quand j'ai vu le lot, en plus. Ça coûtait trois fois rien, je crois, le lot. Enfin, vraiment, c'était super intéressant. Je sais plus combien de paires j'en ai. On va compter une paire, deux paires, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 10 paires de blanches et 10 paires de noires. C'est exactement les mêmes. Et parfait. Franchement, parfait. Ça, c'est vraiment de l'utile. Oui. C'est vraiment très très utile et
ou pas. De toute façon, ça c'est des bons basiques, il y a noir et blanc. Enfin, sinon on met que ça comme process. Donc ça c'est cool. Ensuite, ah ça c'est pour Camille, elle va être contente. Parce que Camille à la maison, elle aime bien être en jogging. À l'aise aussi, hein. Telle père, telle fille, j'ai envie de vous dire. Ah, ça va, elle m'a envoyé les bonnes couleurs. Parce que elle avait choisi ses couleurs, donc un bon basique en noir. Bon, vous voyez la taille. Moi, je rentre une cuisse, mais bon, c'est pas. Hein. C'est, ça se sent même. Et en bas, ils sont resserrés en bas. Voilà. Alors, ça, c'est chouette pour chiller, comme ils disent les Jones. Donc, c'était un lot aussi. Donc, je lui ai pris un noir. Un beige. Il est très joli en beige aussi. Donc pour l'automne, là, c'est cool. Il y a les poches. Indispensable, indispensable. Vous voyez, la petite taille. Voilà. Pareil, en bas, resserré. Et un noir et un marron. Voilà, le lot, il était super intéressant. Donc, marron comme ça. Elle n'en avait pas. Elle en avait des gris, mais ils étaient un peu vieux, ces jogging. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, ça t'intéresse? Elle m'a dit, oh ouais, ouais, bien, 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 maman, bien, prends. Voilà. Donc, vous voyez, bon, à part Margot, mais Margot, elle aime bien s'habiller dans les friperies, dans les choses comme ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Puis, la dernière fois, je lui ai pris un petit maillot de bain. D'ailleurs, je lui ai dit, tu l'as emmené en vacances, ton petit maillot de bain? Elle m'a dit, oui, oui. Donc, voilà. J'ai pris tout ça. Et ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il n'y a plus rien. Non, non, c'est chouette, franchement, Chine. Merci beaucoup de la confiance que vous me faites et de toutes les propositions que vous me faites. Je sais qu'il y a encore des choses qui vont arriver prochainement. Encore, il me semble, deux choses qui vont arriver prochainement. Donc, bon, bah, je suis super contente. Super contente. C'est un. Moi, j'aime beaucoup. Il y a du pour, il y a du contre. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, bah, forcément, j'apprécie. Je ne vais pas vous mentir. Non seulement c'est des produits, bah, pour moi c'est des produits gratuits que je vous présente, mais c'est des produits qu'on utilise. J'aime ce que je reçois en fait. C'est pas, je ne fais pas la corvée, oh là là, je vous montre les trucs, ça me saoule. Non, c'est un vrai plaisir à chaque fois de faire ma sélection et tout ça. C'est un réel plaisir. Donc voilà, bon, on se retrouve prochainement pour un nouveau haul Shein, forcément. Bah, ça sera certainement quand je reviendrai de vacances, puisque là, bah, il était temps. Puisque normalement, j'étais partie en vacances, donc ça aurait décalé de 15 jours. Mais là, je suis très contente de l'avoir reçu maintenant. J'emmène cette petite robe-là en vacances. Et je vais emmener celle-ci. Je pense que pour chiller sur la terrasse, ça sera cool. Non, franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aurais bien essayé. Allez, on va l'essayer. Allez, petit bonus de la fin pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Hop, je me refagote. Hop, je descends mon truc. Hop, hop, hop. Et ben, ouais. Et ben, on doit être vachement bien là-dedans. Pardon. Ah ouais, c'est. Ah ouais. Oh bah oui, je vais l'emmener. Ah bah c'est adopté. C'est adopté. Bon, faut que je me trouve des petites, mais des barrettes. J'ai acheté l'autre jour, mais c'était des grosses barrettes. Et là, vous voyez, juste pour m'attacher comme ça. Est-ce que vous sentez, franchement, les couleurs là? Attendez, hop, hop, hop. Ça sent pas un peu l'automne? Ça sent pas un petit peu l'automne quand même? Vous savez, j'adore la période de Noël, mais j'adore la période de l'automne. Et le marron et tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, non mais la robe elle est adoptée, je vais l'emmener en vacances, c'est sûr. Ah, oh, on est trop bien dedans là. Ah non, non. Je peux aller, oui, je peux sortir, je peux faire mes courses avec ça, moi ça me dérange pas. Là, il y a le petit caleçon là, comme ça. Ah oui, nickel. Nickel. Bon, bah sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à consulter les liens. Je suis contente, je vais faire plaisir à tout le monde en plus là. Ah si, éventuellement, Margot, ça. Petit pique-nique. Et mon mari, ma fille et moi. Voilà. Nickel. Bon allez, je vous laisse, je fais des gros bisous et moi je prépare ma valise parce qu'il va falloir que je parte prendre mon train. Allez, à plus.